bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est David K. J'espère que vous allez bien les amis. Et aujourd'hui on se retrouve pour débriefer sur ma coiffure. Voilà, j'étais chez le coiffeur. Donc non je déconne, on se retrouve pour tester un deck 3.0 d'élixir que j'ai élaboré moi-même. Et du coup, la voici. Voici la compo, donc 3 légendaires. Alors je sais, mais maintenant les légendaires on peut quand même les avoir plus facilement qu'avant. Bien sûr ce deck s'adresse déjà un certain niveau, mais voilà, à partir du moment où vous pouvez débloquer les légendaires, vous pouvez l'utiliser. Très clairement, c'est un deck à mon niveau qui est pas mal, je pense. On va le voir ensemble. Vous avez vu que j'ai deux légendaires de level 1, que ce soit le mineur ou le sorcier de glace. Ma princesse est level 2. Donc mes troupes, elles sont pas complètement cheatées, c'est pas complètement badass, c'est pas abusé. C'est-à-dire que si moi j'y arrive, tout le monde peut y arriver. Et on va donc partir en multi, les amis. Le coffre géant, je vous le réserve pour un free pack opening. Et on part donc en multi pour tester ce fameux deck 3.0 d'élixir. On va voir ce que ça va donner. J'ai mis cochon. En fait, j'ai remplacé, du coup, j'ai enlevé mon molosse et mes 3 mousquetaires qui coûtaient extrêmement cher pour remplacer par cochon boule de feu. Donc, stratégie. Défense dans un premier temps, attaque dans un second temps, en espérant voilà, qu'il ne joue pas collecteur d'entrée de jeu, parce que sinon, collecteur, ça risque de me faire chier, très clairement. Alors, ok, donc là, on a ça. La boule de feu, elle peut... Regardez, hop. Et ben, double boule de feu, donc. Hop, hop. Et voilà, et donc derrière, on va pouvoir mettre la sauce. Hop. Voilà, regardez, hop, ici, clac. Alors, allez, il faut que le cochon, il a tapé un petit peu, là. Oh, c'est dommage. C'est dommage. Mais on vient à bout du canon. Bon, c'est pas exceptionnel pour le moment. On va voir ce que ça va donner par la suite. Allez, la princesse, là, elle est trop longue. Ok. Ok, donc là, on est pas mal. Et là, regardez, le petit combo mineur-princesse qui peut faire quelques dégâts. Regardez, hop, voilà, donc le mine... Oh là là. Ah, ça, c'est dommage, mais du coup, ça fonctionne parce que, regardez, les minions, ils vont y passer. Et regardez, hop, on a tapé un petit peu la tour avec le mineur. Donc, pour le moment, pas trop mal, j'ai envie de dire. C'est un peu kiff-kiff. Effectivement, ça manque peut-être un petit peu de peps, on va dire. Alors, clac. Clac. Et là, donc, le cochon qui va bien, vous avez vu derrière avec... Oh là là, c'est peut-être mal joué, cette boule de feu. Ah oui. Oh là là, le cochon qui va faire ses preuves. Boum. Premier tour, les amis. Donc là, on est pas mal. Hop. Hop. Et regardez, moi, je fais pas la même erreur que lui, par contre. Oh oui, on va bien s'en sortir. On va bien s'en sortir, les amis, là. On s'en sort bien sur cet assaut. On s'est bien défendu, c'était plutôt cool. Et donc du coup, bah regardez. Hop, regardez, combo. Combo. Hop, de l'autre côté. On fait quelques dégâts, vous avez vu sur la tour. Hein. Mais mine de rien, on avance. Hein. C'est pas énorme à chaque fois, mais on avance. Donc c'est l'essentiel. C'est l'essentiel, c'est ce qui compte. Hop, ici, boule de feu. Ok, nickel, hop, et là regardez, on remet le même combo, donc de l'autre côté, et on va aller grappiller donc des points, ici, vrai. Alors, hop, ça va être compliqué, ça, cette défense, voilà, donc en fait, là, on grappille, hein. on grappille des points, hop, et là, regardez, le combo qui va bien avec cochon, je vais jouer le mineur de l'autre côté, là, faut jouer les flèches absolument, hop, oh, la boule de feu qui fait pas plaisir. Oh, il est revenu dans le match, notre ami. Il est revenu dans le match. Mais, regardez, hop, ici, on peut rejouer un cochon gobelin. Et ça risque de faire des dégâts. Allez, faut que ça passe. Oh là 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 là, c'est short. Hop, princesse. Ouh là 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 là, ça chauffe pour nous. Oh là là, il a fait exploser la tour. Oh là là. C'est dommage les amis. Alors, est-ce que cochon c'est la bonne stratégie? On va voir. On va regarder ce qu'on pourrait mettre à la place du cochon ou de la boule de feu. On va voir. Qu'est-ce qui pourrait être sympa? J'aurais bien envie de tester quelque chose. Alors là par contre, ce serait vraiment très très stratégique, c'est-à-dire mettre ces petits squelettes ici à la place de la boule de fire. Et mettre le sort de foudre à la place de ça. Ça nous fait un deck à 2,9. Et donc, on repart en multi, les amis, pour tenter ce deck à 2,9 d'élixir, finalement.
et on va voir ce que ça va donner. Alors, multi qui est un petit peu long à rechercher aujourd'hui, tiens. Ok, c'est parti, on tombe contre Gon, des Forever, à 3287, trophée level 10. Alors. Donc là, pareil, hein, stratégie défense au début. Ah, j'ai bien fait de jouer le char de foudre. Hop, les petites fléchettes qui vont bien pour contrer la princesse. Et du coup, je vais pas avoir besoin de dé... Oh, si, je vais avoir besoin de défendre. Et j'ai joué un peu loin, mais ma princesse... J'ai un petit peu abusé, là. J'ai un petit peu abusé. Allez, la princesse, vite. Rapide, rapide. Alors là, les amis, ça risque d'être un peu chaud tendu pour moi. On va voir ce que ça va donner. J'ai bien envie de tenter le combo double gobelin avec le mineur derrière. Ça, c'est un combo qui peut faire des dégâts. Hein. C'est un combo qui peut faire des dégâts. Alors, on n'a pas fait masse dégâts, mais on va rattraper notre retard. C'est déjà pas mal. Ouais, on va prendre légèrement de l'avance. Alors, ici, clac. Ici, clac. Donc là, c'est plutôt pas mal. Il a focus, ok. Donc la princesse qui focus, c'est plutôt bon pour moi. Allez, ouais, on l'a détruite. Ok, on est pas mal. Et on va donc retenter le combo. Un combo, du moins. Et donc, vous avez vu là, le but c'est vraiment de cumuler des troupes, de défendre en fait et de cumuler sur la phase d'attaque. C'est ça que j'essaye de faire, hein, clairement. Hop, donc là, on tape un peu la tour. C'est plutôt cool. On focus le canon. C'est plutôt pas mal aussi. Hop, le sorcier de glace juste ici pour bien défendre. Ok, le gobelin qui tape pas du tout. Ça, c'est parfait. On a le sort de foot qui va nous permettre à un moment ou à un autre, forcément, de prendre l'avantage sur la tour si on continue de bien, bien, bien défendre. Et alors, c'est un deck très, très stratégique. C'est pas hyper badass, pas du tout. C'est hyper stratégique, c'est deux choses différentes. Ok. Hop. Donc là, ouh, là, va falloir défendre du coup. Va falloir défendre. Petit spire gobelin, regardez. Et là, on va s'envoyer un petit mineur de l'autre côté qui va nous faire plaisir. Hop, les petites flèches qui vont bien. Alors, princesse en défense du coup. Avec sorcier de glace en défense aussi. Ici, les petits gobelins à deux. Donc, on devrait faire du travail. On devrait faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot là, je pense. Allez, allez, faut que ça passe maintenant. Faut que ça passe. Ok, donc là, on a un beau combo qui est en place. On a un beau combo qui est en place. Regardez, le sort de foot qui va permettre de dégager un peu la map. Ici, on défend. Ok, 24 secondes, les amis. Faut maintenant défendre sévère parce que ça peut passer. Ça peut passer très clairement. Alors, ok, donc première flèche. Allez, allez, encore un coup, la princesse. Ouais, elle a tapé encore un coup. Enfin, elle a lancé ses flèches encore un coup. Et regardez. Hop. Ici, faut le... Alors là, faut absolument l'empêcher de tirer. Faut l'empêcher de tirer. Allez, allez, allez. Il a mis. Oh là là, on l'a empêché. On l'a empêché, les amis. Première victoire. Donc, on a battu un deck géant royal avec un deck à 2,9 d'élixir. Plus 34. C'est magique. C'est magnifique. Hop, je gemme le petit coffre. Et nous avons 63 d'or. Une fournaise. 10 flèches. Ils ont encore une fois oublié la légendaire. Je trouve ça intolérable. Adversaire level 10 à 3298. Trophée, donc vous avez vu la stratégie. Grosse défense. On balance un de sort de foudre bien pratique. Et ça fait le taf. Hein. Alors. On va voir, on va voir. Donc là, j'aime bien attendre quand même qu'il ouvre la game. Hein, je vous le dis franchement. Hop, ici, tranquillement. Hop, mini P.K. du coup. Et les petits. Ah, je les ai joués un peu loin. Les... Ah non, même pas. Regardez, les petits squelettes là qui sont magnifiques. Les petits squelettes là qui sont parfaits pour ce genre de boulot. Hop, regardez, le petit contre qui va bien ici. Ici, sorcier et spire. Pour venir rapidement à bout. Et de l'autre côté, on a fait quelques damage. Pas énorme, mais quand même bien. On est bien. On sait, ouais, voilà. On taffe des deux côtés là. Dommage que la princesse elle focus. Hop, et j'ai bien envie de bazarder mon sort de foot déjà. Hop, voilà, pour kill le sorcier de glace. Alors là maintenant, faut être très concentré là. On n'a plus beaucoup d'élixir. Grosse défense donc. Hop, on joue les gobelins à deux là. Histoire de. Ouais. Et le mini P.K. donc vous avez vu pour 3, on va se débarrasser de tout. Alors ici c'est un peu plus compliqué malheureusement, ouais, avec le sorcier de glace. Ah là là là, le sorcier qui. Le hog qui va faire beaucoup de dégâts, le chevaucheur là. Ça fait pas plaisir. Hein. Ça fait pas plaisir. Mais on reste kiff-kiff hein, sur les dégâts, donc ça va. Alors, je vais économiser le sort de foudras. Ah non, je vais reprendre un peu la défense. On va s'occuper plus tard des points de vie de la tour.
Ouh, c'est un petit peu long tout ça là-bas. Et ouais, parce que les deux ils se ralentissent donc. Donc c'est assez marrant. C'est assez marrant. Et il a pris le dessus, mais pas énorme. Pas énorme. Alors hop, ici, ça là. Les petits gobelins à deux, juste ici, parfait, qui arrive au bon moment. Et là, regardez, hop, mineur. Ici, c'est parfait. Spire gobelin. Et là, voilà. On a accumulé les petites troupes comme je vous parlais tout à l'heure. On va faire logiquement quelques dégâts. Allez, les spires gobelins, là, faut taper maintenant. Faut taper, faut faire des dégâts avec la princesse. Hop. Hop, regardez le petit canon qu'on va faire sauter. Magnifique. Magnifique, les amis. Là, on se met bien. Là, on se met très très bien. Hop. 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 Sorcier de glace ici. Spire gobelin. Donc là, on est vraiment full, full, full défense. Vous avez vu? Une grosse, grosse, grosse défense. Et la double princesse. Et là, on devrait pouvoir venir à bout de la tour. Je dis la tour, ouais, j'espère. Ou alors, en tout cas, se faire plaisir. Ah, t'as même pas, j'hallucine, quoi. Alors, ici, les petits gobelins de. Qui vont se faire sauter, hop, ici, le mineur là, espire ici, sorcier là. Donc là, c'est un deck où faut être réactif. Hein. Clairement, si vous n'êtes pas réactif, c'est pas la peine. Hein. Ok, on est pas mal, on est pas mal. On a une tour qui peut sauter déjà. Donc de l'autre côté, mineur, princesse. Maintenant, on met de la défense ici, hop, hop. Alors, j'espère qu'il a pas une roquette parce que sinon, je vais me faire avoir là. Allez, 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 hop. Et boum, les amis, c'est bon, c'est victoire. Deuxième victoire donc avec ce deck à 2,9 d'élixir. Alors, commenter ce match, c'est très très compliqué parce qu'il faut être très très réactif, il faut jouer beaucoup de troupes, vous avez vu, donc comme ça coûte pas cher, on peut rapidement rejouer des troupes. Il faut être partout, il faut être présent partout. Deuxième victoire, une défaite. Le sort de foudre avec les squelettes à 1 qui me permettent de défendre pas mal de troupes, c'est plutôt cool. On j'aime le coffre. 212 d'élixir d'or. 4 hordes de gargouilles. 5 esprits de feu, 3 chevaucheurs de cochons. Oh, mais qui m'appelle? Oh, c'est encore Gaël. C'est encore Gaël. Plus 26 d'élixir. Je te rappelle, copain. On relance le match suivant, les amis. Et c'est parti, du coup. Alors, nous en sommes où? Ok, plutôt main de défense hein, pour l'entrée. De toute façon, on va dire que là, j'ai pas de légendaire en fait. Donc, ça m'embête un petit peu parce que les légendaires, elles me permettent des fois de bien défendre. Et je vais commencer du coup avec un petit sort de foudre. Tranquillement. Tranquillement avec le petit sort de foudre. Ok, regardez, bah là, on continue sur notre lancée. Hein. Les fléchettes, hop. Donc, on a déjà pris un peu d'avantage sur la tour. C'est cool. Et puis, regardez l'élixir qui revient tranquillement. Hop, 7. 8. Donc, ça, c'est nickel. C'est nickel. Ouf, ça par contre, ça fait pas plaisir. Ça fait pas plaisir du tout. Ok, hop, ici, ici. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Hop, ça aurait pu être pire. Et là, du coup, on enchaîne, là, les amis. On enchaîne sur un gros, gros, gros combo qui peut faire mal. Alors, regardez, il y a beaucoup, beaucoup de troupes. Ça peut rush dur s'il défend pas rapidement. Ah, il y a le canon, il y a le canon. Ça va l'aider. Ça va l'aider. Mais regardez, oh, la tour qui va peut-être céder sur cet assaut. Oh! Oh oui, la tour qui cède. Alors ça, c'est parfait, les amis. Et de l'autre côté, regardez, je me fais un, voilà, je me fais un petit kill au sort de foudre pour faire le ménage. Donc là, les trois mousquetaires qui auraient pu faire très très mal, mais on s'en est bien 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 débarrassé. Regardez, je défends pas sur les gobelins parce qu'ils vont, oh, hop, juste ici, il faut défendre en revanche. Hop. Et là, regardez, hop, on défend dur sur le géant royal. J'ai pas très très bien placé mes troupes, mais bon. Hop, ici c'est cool. D'accord. Bon, eh, là faut qu'on défende, hein. Faut pas qu'on temporise, faut qu'on défende très clairement. T'as soit je prends l'avantage sur la tour de gauche, je continue à attaquer. T'as, ça peut être une bonne idée aussi, hein. Allez, je tente l'assaut sur la tour de gauche. On va voir ce que ça va donner. Hop, ici. Et là. Alors là, si je récupère mes 10 d'élixir, je vous garantis que je vais faire un carnage. Ok, c'est parti. C'est chaud les amis, c'est très très chaud. Oh là là, il a fait sauter la tour. Ah, c'est tendu, c'est tendu, c'est tendu, c'est tendu, c'est tendu. Là, il va falloir jouer très très bien, il va falloir jouer beaucoup, surtout de sort de foudre les amis, croyez-moi. Hop. Ok, ça c'est parfait que la princesse elle soit passée.
Alors là, je vais même pas défendre, je pense. Ah si, va falloir. Hop, princesse ici qui va être très très importante avec le sorcier de glace. Et là, ça va jouer vraiment au sort de foudre. Hein. Hop, j'aurais peut-être pas joué le géant royal tout de suite, moi. Parce qu'il va peut-être pas avoir le temps d'en rejouer d'autres. Et du coup, ça risque de le mettre peut-être en difficulté. On va voir. Là, c'est sort de foudre maintenant qu'il faut économiser. Allez, 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 c'est sort de foudre, il passe. Ok, oh là là. Hop, les fléchettes. Allez, allez, oui, boum, grosse stratégie, les amis. Grosse stratégie. Donc, hein, ça passe. Troisième victoire pour une défaite, c'est assez exceptionnel, hein, avec à 2,9 d'élixir. On a trouvé un bon deck, j'ai l'impression. Plus 28, on a fait 4 matchs. On va s'en faire un petit dernier, je pense. Ok, on gemme le coffre donc. Et ça nous donne 63 d'or. Une boule de feu, 10 esprits de feu. On lance le match. C'est parti donc, dernier match. Ouh, très très gros match. Contre un outsider, mais non, contre un joueur des In the North. Très 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 gros clan. Ce sont que des très bons joueurs. Vraiment, j'insiste. C'est l'un des premiers clans. Ils sont dans le top. Clairement, ils sont dans le top. C'est des très 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 bons joueurs. Alors, le PK ne me fait pas trop trop peur, étant donné toutes les petites troupes que j'ai. Je devrais pouvoir m'en débarrasser rapidement. On va voir, on va voir, on va voir, on va voir. Et là, c'est assez chiant du coup, parce que ouais, par contre, il a son. Alors là, les fléchettes, du coup, je suis plutôt content. Princesse ici. Voilà, moi, ce que je voulais, c'était pouvoir jouer mes. Hop. Ok. On s'en sort pas trop mal. Malheureusement, on a dépensé tout notre élixir. Et ça, c'est un peu con, j'ai envie de dire. Mais en attendant, il n'a pas fait quasiment de dommages sur la tour. Donc, c'est plutôt cool. Plutôt cool, plutôt cool, plutôt cool, plutôt cool. Ok, donc c'est le moment là. Alors là, je sais que je vais devoir me faire plaisir avec les sorts de foudre, etc. Parce que, à mon avis, ça va être la seule technique. Donc là, vous avez vu, regardez, je me fais. Hop. Donc là, on a commencé à entamer la tour un petit peu. Je vais le laisser. Hop. Ici, hop, les petits squelettes à 1, très très important pour le prince, contre le prince, de ralentir ce prince. Allez, si je pouvais récupérer le mineur, ce serait parfait. Allez, le mineur qui va y aller. Donc là, vous avez vu, on va faire un bel assaut, je pense. Ah, c'est dommage. Ah, le sort de. Il fait pas plaisir, les fléchettes qui font pas plaisir. Pas du tout plaisir, même. C'est cool, on a détruit la princesse, ça c'est pas mal. Je suis content. Et regardez, on se maintient, j'ai envie de dire, contre ce joueur. On se maintient malgré sa compo PK, double prince. Donc là, on joue contre une grosse compo. Hein. PK, double prince, les amis, c'est pas la petite compo qui rigole. Hein. C'est la vraie compo sérieuse. Donc ça fait plaisir tout simplement de réussir à se défendre. Et ah, ça, c'est cool pour moi qu'il ait joué directement à ce niveau-là, ses troupes. Hop, princesse en défense, ici sorcier de glace. On va attendre que le sorcier de glace il ait kill la princesse avant de faire autre chose. Hop. Hop. Hop, les petits squelettes. Ça, c'est assez chaud, c'est assez chaud. Vous avez vu là, je cumule un peu mes troupes par ici. Hop, les petits gobelins. Là, les spires gobelins. Là, le mineur. Là. Vous avez vu, donc là, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de stratégie, hein, les amis. Faut pas rigoler. J'ai joué mes fléchettes, c'était pas forcément la meilleure idée, ça. C'était pas forcément la meilleure idée. Et donc là, je vais insister. Je vais insister, regardez, je vais insister de suite. Parce que avec le sort de foot, ça peut faire quelque chose, ça peut marcher. Ça va être chaud. Ça va être chaud tendu, les amis. Je vous le dis. Ça va être très très chaud. Hop, hop, allez, allez, on a fait sauter un premier prince. On va faire sauter la princesse avec ça. On peut gagner, les amis. On peut gagner contre cette compo. Allez, j'économise mon sort de foot si la princesse. Ah là là, la princesse, ça va pas taper du coup. Mineur. Allez, j'envoie le mineur qui va faire un petit travail. Sort de foudre après. Allez, ça va jouer autant. Allez, 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 mineur, faut qu'il tape. Faut qu'il tape, mon mineur. Allez! Oh oui, les amis, on a gagné contre une compo double prince PK. Ça, c'est génial. Super combat. Plus 33. Là, clairement, on vient de faire sauter le compteur de pourcentage de probabilité de victoire. Je vous remonte ce deck. Vous l'avez vu, on l'a fait ensemble en live. Alors là, croyez-moi, c'est un deck
que j'ai inventé, et là je suis plutôt content. Mes légendaires sont level 1, hormis la princesse, croyez-moi, une fois que les légendaires vont être passés level 2, voire level 3, ça va être complètement ouf. Je pense que là, il n'y aura pas photo. Deck de malade, 2,9 d'élixir, les amis. Je pense que franchement, ça vaut le coup, ça vaut le coup, croyez-moi. Et c'est assez marrant à jouer, faut être juste très très actif. Et j'ai un commentaire qui dit trop cool, je suis complètement d'accord avec toi, Team Splatoon. Team Splatoon, ouais. C'est top, vraiment. Donc, super match. Un vrai régal de vous faire cette vidéo, les amis. Ces matchs, ces combats étaient hors normes. Notamment de gagner contre un Indenort. Ça me fait super plaisir. On va aller voir dans l'activity log. Regardez donc les troupes de mon adversaire. Plutôt pas mal, hein, quand même. Plutôt pas mal. Vrai plaisir de gagner, donc. Juste avant, regardez aussi des troupes pas mal. Hein, des communes level 11, des légendaires level 2. C'est cool, c'est cool. Les amis, c'était un plaisir de vous faire cette vidéo. N'oubliez pas de la commenter, de la liker, de la tweeter, de la partager, bien sûr. On se retrouve sur tous les réseaux sociaux. Très prochainement, grosse surprise à venir ce week-end. Soyez présents, je pense vous annoncer la grosse, grosse surprise ce week-end. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo, les amis. Salut, salut!